Bonjour tout le monde, comment nous aimons, espérer tout le monde bien matin. Moi, j'espère que tout le monde est passé une bonne nuit hier soir et tout le monde est passé une bonne journée hier, sous grâce à Dieu. M'a souhaité nous passer une bonne journée aujourd'hui en tout sous protection, bon Dieu, Papa Noah qui est dans le ciel. M'a excusé nous parce que nous avons 3 jours, je ne vais pas faire vidéo parce que je n'ai vraiment pas le temps. Bon matin, moi retourne, moi j'espère que nous avons enjoy méditation pour matin. Jeudi, c'est 22 février 2019. Le titre, c'est Juste croire. On va commencer pour nous lire comme ça. Lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, nous avons souvent peur de l'inconnu et mission sur un nouveau plan. Nous écoutons nos peurs et nous dirigeons vers le désespoir. Nos doutes internes sont renforcés par un esprit de négativité. Nous donnons du pouvoir aux critiques alors que leurs paroles éteignent notre espoir. Mais Jésus surprend notre dialogue interne distrayant et désire nous donner une nouvelle voix à écouter. Une voix qui dit: N'ayez pas peur, juste croire. En tant que commandant d'une armée qui dirige les soldats, Jésus a prononcé ces paroles à Jaïr comme un commandement, commandement. Un impératif, pas une suggestion. Jésus ne l'a pas déclaré à la foule, il a parlé directement à Jaïrus, à côté de ceux qui doutaient, comme Jaïr. Jésus désire nous sortir de notre désespoir et de notre peur. Il veut que nous mettions notre confiance en lui, pas un nouveau plan. Ses paroles ne sont peut-être pas toujours plus fortes que celles de ses critiques, mais elles sont plus puissantes et proviennent d'une autorité supérieure. Cela nous mettait fin avec méditation. Bon, moi, j'ai une prière pour me chier avec nous qui dit comme ça: Dieu, donne-moi l'oreille pour entendre votre voix lorsque le doute s'installe. Restaurez ma confiance en vous lorsque mes projets échouent. Emmène-moi au-delà de mes peurs dans un lieu de croyance, d'espoir et de promesses. Amen. Une grande verset pour me chier avec nous tous. C'est Marc 5, verset 35. Il dit comme ça. Verset 100, il est vraiment prêt à parler de motivation. Hein. So, ma pli pour nous, il dit comme ça. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. C'était Marc 5, verset 35 à 36. Cela m'a mis fin avec motivation pour aujourd'hui. J'espère que vous avez enjoyed motivation. Hein? J'espère nous passer une bonne journée sous protection. Bon Dieu, pas oublier inscrire sur channel là pour nous faire une vidéo ça, une vidéo ça qui y a un mot d'encouragement là-dedans. Inscrire sur channel là, nous on se modèle in the model. Ciao.